PEGI 3. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai pu voir en fait que dans les commentaires, on m'a demandé quelques petites rectifications, toutes simples. C'est d'enlever, on va dire, la décharge ici. Ce que je vais essayer de vous faire. Voilà. On va bien s'amuser un peu. Donc, la décharge, on va la déplacer un petit peu plus en bas, je pense. Comme ça, ça va moins polluer les terres agricoles. Eh oui, oui, vous inquiétez pas, je sais voir les commentaires que vous me laissez. Comme j'expliquais, je réponds quasiment jamais sur YouTube, mais je réponds toujours sur Facebook, Twitter. Donc, profitez-en si vous avez des choses à me dire, etc. Donc, c'est fait pour, en fait. Hein. Parce que YouTube, j'aime pas trop, on va dire, répondre. C'est pas pour rien, c'est qu'en fait, au bout d'un certain nombre de réponses, tu passes en mode spam et du coup, plus personne ne voit rien. Alors, les déchets. Je vais plutôt prendre une petite décharge ici. Pas trop grande, pas trop petite non plus. Voilà, parfait. On va prendre un dépotoir. Un peu plus grand cette fois-ci. Voilà. On a de quoi faire, franchement. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Donc, tout va bien. Donc, après, il y a des personnes qui m'ont dit « Ouais, mais Body, t'as quand même un petit peu utilisé les codes de triche pour pouvoir se mettre quelques millions. C'est pas vraiment sympa maintenant de regarder ton let's play. » Ne vous en faites pas. Ça veut pas dire tout simplement que je me suis mis quelques millions pour pouvoir aplatir surtout le terrain dans un premier temps. Que tout de suite, que le let's play, je l'ai mis de côté, qui va pas être plus sympa... que si je le faisais normalement. Il n'y a rien de fou en fait ce que j'ai fait, j'ai juste aplati le terrain. Et il y a des personnes aussi qui m'ont demandé de vendre du carburant. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, hein. C'est pour ça que j'ai autant d'argent. Je suis millionnaire. Et là on va se mettre un petit peu plus de vitesse, comme ça on va être bien. Alors qu'est-ce que je peux vous faire d'intéressant? On va bien se marrer un petit peu. On pourra aussi construire des monuments par la suite, hein. Mais juste un truc que je vais essayer de faire, parce que j'ai fait une petite... je voulais vous faire un truc, mais sauf que mon enregistrement, il a un petit peu planté. Pourquoi j'ai autant d'argent? C'est à cause de ça, en fait. Je voulais équilibrer la balance pour pouvoir faire des ventes. C'est bon, là, je suis à moins 6000. C'est ça, en fait. Moi, ma vraie économie, ma vraie force, c'était ça. Parce qu'en fait, ici, on a la possibilité d'échanger un petit peu les ressources avec une ville qui existe, qui est furtif. Ça a toujours été comme ça. Attendez, parce que je suis à moins 2, donc du coup, je suis en perte. Voilà, là, je suis bien. Ouais, un petit moins 2, non? Ouais, bref. Ici, vous avez la possibilité de, par exemple, mettre ce que vous avez envie, d'accord? Donc après, vous pouvez vous mettre pratiquement 1 million d'argent avec cette ville. Ici, on peut se mettre plus de carburant, plus de travailleurs, plus de managers, plus d'élite, etc. Bon, en fait, toutes les choses qui vous manquent, vous pouvez ici ajuster à ce que vous avez envie avec l'autre ville. Mais par contre, attention, parce que l'autre ville, pendant ce temps-là, elle souffre. Donc à vous de bien répartir ça. Ce qui est bien avec ce genre de jeu, si vous avez une forte économie dans une des régions, vous pouvez un petit peu faire la navette entre ces régions pour pouvoir aider la prochaine. C'est pour ça, ce qui est vraiment avantageux, c'est d'avoir déjà une ville qui est à fond, quasiment. Donc après, code ou pas code, hein, c'est vous qui voyez. Donc attendez, je vais un petit peu enlever, sinon je vais me faire vraiment avoir moi, dans pas longtemps. Oui, je disais, c'est que si vous avez une ville qui est vraiment très puissante, dans une région, vous n'allez pas recommencer à chaque fois 0, 0, 0. Vous pouvez vous ajouter par exemple des travailleurs, des déchets, etc. Ça marche un petit peu comme sur SimCity, hein. Donc ça ne change pas vraiment. Donc après, vous avez cette possibilité de faire ce que vous avez envie. Donc je vais rapidement ajuster le curseur histoire de voir si tout est bon. Ok, parfait. Magasin, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Traitement des déchets, tu vois, c'est ça qui va commencer à nous poser des problèmes. Donc pas longtemps, pas tout de suite, mais dans quelques temps. Bon, j'ai 8000 personnes, c'est plutôt bien. Donc là, ça ressemble plutôt à un carré qui ressemble à rien, je suis d'accord. Mais c'est pas encore fini, hein. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire une méga pole bien concentrée. Et du coup, il n'y a que ça que je peux faire. Hein. Donc, il y en a qui vont me dire, mais t'es sérieux, Body? Pourquoi tu veux faire que ça? Bah, parce que, en fait... Attendez, parce que j'ai aussi un autre problème, j'ai l'impression. Je suis peut-être pas sérieux dans ce que je veux vous dire, mais un truc qui me plaît pas vraiment. Alors, menu, option... Non, c'est bon, la qualité est parfaite. Ok, parce que j'avais un petit problème, parce que tout à l'heure, j'avais fait le let's play et j'étais en 720p. Et du coup, vu que je filme en 1080, ça va être un peu dégueulasse après à regarder. Donc ce qui est bien, c'est qu'après, avec la qualité que j'essaie de vous mettre, vous voyez un petit peu toutes les choses inscrites. Donc, sinon, en général, on voit rien. Bon, des nouveaux bâtiments sont disponibles. Ferme ta bouche et concentre-toi sur ton jeu, toi. Perroquet de mes deux. Ok, c'est bon, je me tais. Alors maintenant, on va faire quoi? On va se faire... je vais juste regarder par région, qu'est-ce qu'on a. Population, elle est là. Ça, c'est les riches. Donc là, c'est les travailleurs. Hein. Travailleurs qualifiés. Manager, on en a zéro pour l'instant. Donc, alors, maintenant, on va rigoler. Satisfaction, tout le monde est satisfait. Service public. Donc, j'ai que ça pour l'instant. Là, j'ai l'école qui est bien branchée, à part dans les zones un petit peu plus reculées. La police, elle est là. Les pompiers, on les a pas encore débloqués. Ça va arriver par la suite.
les magasins, c'est bien réparti. Ah, le loisir, c'est ça qui va manquer. Voilà. Vous voyez, ça commence à être un petit peu moins bien. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut de temps en temps regarder ça. Alors maintenant, légende des icônes, ça, je les connais déjà. L'emploi, il y a un chômeur en fait. Il faudra vraiment que je commence à lui trouver un travail, sinon le pauvre, il va mal se sentir. Les bénéfices, ça, c'est les sociétés qui engrangent. Le fret, c'est bien. Les passagers, on n'a pas encore de bus, ça se débloquera tout seul. Oui, aussi, j'ai vu dans les commentaires, Body, fais-nous un aéroport, fais-nous ça. Je vais te montrer un truc après, tu verras. Donc nuisance sonore, c'est à cause des éoliennes. Donc pollution de l'air, ça va, j'ai pas à me plaindre pour l'instant. Pollution automobile, bah là malheureusement on n'a pas le choix. Alors les matières premières, vous voyez bien, les nappes de pétrole sont juste ici, donc je pourrais après en faire ce que je veux. On a l'eau qui est là, on a les terres fertiles que je pourrais développer tout en bas, donc on a vraiment de quoi faire quelque chose de sympa. Les routes, les autoroutes, les zones portuaires, c'est bien parce que je pourrais même construire des trucs après ici. Là on a quoi? Relief de terrain, vacances, je pourrais même mettre des hôtels après. Donc je vous montre tout ça, c'est pour que vous voyez en fait comment on progresse. Trafic, ligne de bus, ligne de métro, on n'en a pas encore. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses que vous avez voulu voir en général. Bon, arrête de... Pourquoi tu mets ça? Mais ferme-moi tout ça, s'il te plaît, ce brouillard. Donc regardez, pour ceux qui voudraient que je mette un aéroport, etc., faut aller tout simplement dans transport ici. Vous voyez bien, c'est bloqué. Il faut que j'ai 50 000 personnes. Là, c'est pareil, parce qu'en fait, l'aéroport, c'est... Regardez bien combien il faut de personnes. Il faut 20 000 personnes. Non, là, faut ça, 50 000 personnes pour le fret, etc., etc. Donc l'aéroport, en fait, je crois qu'il en faut 100 000. Hein. Non, tu vois, 500 000 quasiment habitants pour le fret. Donc on a encore de la marge, hein, parce que ça va être assez compact. Bon, je vais fermer ma gueule, moi, parce que je vais commencer à vraiment vous faire un truc. Alors les impôts, tout le monde est satisfait à part les industries, bien évidemment. Donc c'est quoi qui est le plus rentable? Ok, c'est parfait, ça. Pharmaceutique. Tu vois, c'est ça qui coûte très cher, c'est la pompe à eau et tout ça, en fait. C'est pas grave. C'est laquelle qui me coûte cher? Ouais, mais j'en ai mis deux en fait. Hein. C'est peut-être pour ça. Hein. Mais bon, mieux vaut en avoir deux que rien du tout. Ici, on peut s'activer des emprunts, mais il y a des pourcentages. Attention. À vous de voir. Hein. Bon, tout le monde est satisfait. Bon, faut que j'aille satisfaire mes chômeurs. Donc, j'ai 4 emplois disponibles chez les travailleurs. Travailleurs qualifiés. Bonjour les travailleurs qualifiés. Êtes-vous ici? Alors, travailleurs qualifiés, faut que je leur trouve une petite zone, c'est sympa. Voilà, ça va être bien. Oui, mais faut que t'arrêtes quand même avec tes santé. Faut dire qu'ils sont de plus en plus exigeants, les petits malins. Donc, maintenant, je vais plutôt agrandir peut-être les terrains agricoles, j'en sais rien. Je vais juste voir si c'est bon. Électricité, faut qu'on produise vraiment d'autres énergies. Sinon, on va être un peu dans la galère. Donc ici, je devais faire quoi? Je devais tout simplement encore me faire une petite autoroute, rapidement. Hein. Je sais, je vais pas la coller cette fois-ci, je vais la mettre comme ça. Je vais tourner le curseur si ça vous dérange pas. Voilà. L'avantage après, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on a envie. Mais Bodhi, c'est les moches ta route, t'es fou! Voilà, ici, ça va être beaucoup mieux. Je vais pas trop non plus embouteiller à chaque fois les trucs. Voilà. Je suis super content. Maintenant, je vais essayer de vous construire maintenant un petit peu plus de personnes de première catégorie. Parce que comme ça, je vais essayer de leur mettre encore des emplois. Et nous, pendant ce temps-là, on va faire progresser tout ça. Donc, je sais que ça paraît entassé. Je sais que c'est pas vraiment esthétique. Mais faites-moi vraiment confiance. Mais après, je suis un peu idiot. C'est que j'ai pas pris la meilleure carte du jeu aussi. J'ai pris celle où il y a énormément de montagnes de relief. Donc, du coup, on va être vite embêté après. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser le code de tricherie pour pouvoir aplatir tout ça. Sinon, c'est impossible de poser toutes ces maisons. Je vous le dis d'avance. Hein. C'est juste ça, hein, le code de tricherie, hein, que j'ai utilisé. Hein. Rien de plus. Hein. Donc, ça abîme. Pour moi, ça casse pas vraiment le let's play en fait. Donc, j'en abuse pas vraiment, quoi. Après, si j'en abuse, oui, c'est sûr et certain que si je me mettais à 1 milliard tout de suite, que le jeu n'aurait pas de sens. Hein. Là, je vous le confirme. Mais pendant ce temps-là, on est bien. Donc, ici, on a quoi qui déborde? Bon, les chômeurs, là. On a beaucoup de magasins. Électricité, ça va chuter dans pas longtemps. Si ça passe au niveau de l'orange, je m'en occuperai. Manufacture, industrie lourde, carburant, agroalimentaire, c'est équilibré. C'est quoi ça? Traitement des déchets, ça va, ils sont contents. Comme ça va remplir un peu le travail là-bas. Là, on a tout. En fait, ce qui est dur, c'est de mettre vraiment une énorme population et à côté de tout conserver, en fait. Sachant que les services coûtent très cher. Normalement, je dois avoir beaucoup de chômeurs. Tu vois, regarde. En plus, j'ai pas tout fini, donc ça va se remplir au fur et à mesure. Bon, le terrain agricole, c'est là-dedans que je vais tout miser. Allez, Bodji.
Commence à bien faire les choses, s'il te plaît. Fais plaisir à tes abonnés. Alors, les terrains agricoles. Je pense que le mieux, c'est de mettre un petit peu de tout. On va se faire une énorme zone. Mais arrête d'appuyer partout. Voilà, ici. Pour moi, ça peut être parfait. Donc, je vais un peu abuser sur les terrains agricoles. Hein, je vous le dis d'avance. Hein. Comme ça, je vais vraiment faire toute la zone en agricole. Donc, le premier, on l'a fait. On va s'occuper du deuxième. Je pense que c'est un peu trop grand. Non, parfait. C'est même parfait. On va se mettre un truc ici. Mieux vaut faire un surplus que de pas en faire beaucoup, quoi. Regardez comment mon économie commence à être bien, là. Elle commence à se redresser, en plus. Donc, attendez juste un truc. Après, il y a un silo aussi qui se débloque, hein. Par exemple, là, c'est vraiment intéressant, mais le problème, c'est que c'est tout petit. Donc, à vous de bien le positionner où vous avez envie. C'est qu'avec ça, vous pouvez avoir la chance. Je sais ce que je vais faire, je vais démolir ce terrain. Et on va dire, mais Bodhi, pourquoi t'as fait ça? T'es fou? T'as tout cassé? Non, 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 regardez bien. J'ai tout cassé pour pouvoir mieux rebondir. Le mieux, c'est de faire comme ça. J'ai drôle de façon de le faire, mais. Attendez, parce qu'il faut que je révise encore à nouveau mon truc. Ici, ici, et voilà. Il y en a qui vont dire, mais pourquoi t'as fait ça? Pour placer ça, en fait. C'est le plus important, parce que c'est ça qui va me donner toute la zone. Elle est bien prise en compte, vous voyez bien. Donc tout le sarc est parfait. Je suis content, comme ça, mon agroalimentaire, en fait, va tout simplement. On a le silo, on aura des surplus. Je vous montre un peu à quoi ça sert, voilà. Vous voyez bien, bâtiment débloqué. Améliore la rentabilité des fermes proches. Bah voilà. Maintenant, j'ai plus besoin de construire de ferme, on est à fond. À part ici, le petit cercle que je vais essayer de fermer dans pas longtemps. Oui, ferme-le, ouais, c'est ça, ouais. Oui, parce que si je commence, on va dire, un peu à les mettre là où il faut pas, ça va pas être intéressant. Donc là, on est parfait. C'est nickel, tout est connecté, je regarde bien. Voilà. Les travailleurs bossent bien. Il y a 3, il y a 13% de chômage et 4% chez les travailleurs. Donc esthétiquement, ça ressemble un peu à une ferme un peu éloignée, quoi. Alors, comment vous dire ça? On va commencer à passer au niveau de l'industrie maintenant, d'accord? Donc le fret est tout simplement à proximité, donc on n'a pas vraiment à se plaindre, hein, on est bien d'accord. Ici, je pense que je vais essayer de mettre vraiment des routes intéressantes. Je vais mettre quand même des petits chemins, ça va en mettre des plus grands. Et là, on va commencer à mettre beaucoup plus de bâtiments qui vont nous permettre. Ah, j'ai débloqué des nouveaux bâtiments, vous avez vu maintenant. J'ai aussi débloqué un truc de soins, je crois. Je suis pas certain que je l'avais déjà, je crois. Peut-être c'est bien parce que ça me dit plus rien là. Ah, catégorie 2 maintenant, cool. On a les travailleurs, donc du coup, je vais être beaucoup plus malin. Vous allez dire, mais tu veux faire quoi? Alors, 1, 2, 3, soleil. Vite, pose-moi ça, Bodhi, ici. Voilà, je vais faire comme ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? En fait, je vais essayer de prolonger la catégorie ici. C'est ce que j'avais prévu déjà à la base. Pas que ça chute, hein. Parce qu'on peut aussi la perdre, hein. Voilà. On va se mettre des grands bâtiments ici. Désolé pour le petit bruit qui est assez perturbant. Encore un petit effort. Oui, donc après, c'est normal que je perde la population. Je vous dis, petit à petit, ça va devenir esthétique, mais pour l'instant, on ne peut pas tout faire d'un coup. Encore un petit. Ah, ça, c'est un magasin. Merde, espèce d'idiot. Ah, c'est pas grave. Bon, zone 2. Alors, regardez, c'est nickel, hein. Franchement, les grands bâtiments, on les met là. Faut pas que je m'enflamme un peu trop. 14, ouais, c'est bon. Pas besoin d'aller plus loin pour l'instant. Ah, franchement, vous en pensez quoi? Je vais vous tourner encore la roulette. Ah, c'est pratique, la nouvelle souris que j'ai là. Attendez, mais elle est tellement pratique, c'est qu'elle est tellement sensible aussi. Merde! Bodhi, arrête de faire des conneries! Mais putain, tu sais pas appuyer ou quoi sur une roulette? Je suis désolé, mais dès que je dis. Aïe aïe aïe! Ça tombe pas vraiment. Bon, bref.
Ah oui, c'est comme ça, oui, bah espèce d'idiot, c'est pas le... Ouais, parce qu'en fait, j'ai une souris, dernier cri, du coup, bon, c'est pas pour vanter, mais loin de là. Mais en fait, c'est les cyborgs, là, je sais plus trop quoi, les souris comme ça, donc elles ont tellement de fonctions, c'est que si tu te trompes sur une touche, tu peux vraiment tout casser. Bon, là, j'ai quoi? Usine, ok, les usines, j'étais tout simplement là-bas. Donc, je regarde rapidement. Donc, 10% d'emplois disponibles, nickel, on va se mettre beaucoup plus de maisons dans ce cas-là. Pas trop non plus aller jusqu'au fond. Bon, il y en a, ils vont dire, mais t'es fou, pourquoi tu mets autant d'un coup là? Parce qu'en fait, j'avais décidé de pouvoir agrandir quelques petites conneries. Donc, on a les magasins à proximité. Ouais, ils sont juste là. Hein. Arrêtez d'être en manque de magasins dans le jeu. Bon, concentrons-nous là où je me suis arrêté. Ici. Maintenant, on va tout simplement faire un truc qui va vous faire plaisir. Industrie. Densité moyenne maintenant. Ouais, industrie lourde. C'est cool. Là, l'économie va reprendre de plus belle. Vous allez voir par vous-même. Hein. Voilà, je reconstruis une route. On est vraiment proche du fret, il y aura vraiment de tout. Hein. Alors là, faut pas que je me trompe surtout, hein, parce qu'on peut vite se louper. Hein. Vous allez voir qu'on aura moins de problèmes après avec tout ça. Le plus cher pour moi dans le jeu, c'est tout ce qui est casernes de pompiers, tout ce qui est services municipaux, ça vous ruine complètement. Et aussi, bien évidemment, comment vous gérez votre ville. Hein. Moi, j'aime bien la faire ultra compacte, comme ça, elle me rapporte vraiment énormément d'argent. Ah oui, il faut être un petit peu plus malin. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Parfait, ils sont tous bien. Maintenant, manufacture. Non, le terrain 2, je l'aurais passé. 50 000 maintenant. Oh, les ordures. Les bureaux, ça passe à combien? 20 000. Ça monte, ça monte. L'économie commence à être plutôt normale. Je m'en fiche pour l'instant de l'économie. Je sais qu'avec le temps, ça sera bien. 13% de chômage, 0. D'immigration, pourquoi ils s'enfuient? C'est quoi qui leur plaît pas? C'est rigolo. Sécurité, ah oui, c'est vrai. Maintenant que j'ai débloqué le poste de police, ils veulent comment ça s'appelle avoir leur sécurité. Ils sont vraiment marrants quand même. Hein. Bon, on va leur mettre là. Hein. Voilà, comme ça, on a un commissariat de quartier. C'est quoi tout ça? Travailleurs qualifiés. Les loisirs, c'est ça qui manquait. Je suis désolé, je les avais complètement oubliés. Les loisirs. Alors là, on a débloqué des loisirs assez intéressants. On va mettre ces conneries un peu partout. Ça ressemble un peu à rien, sincèrement, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi pas le mettre juste ici? Non, je rigole, mais pas évident de leur mettre un truc, hein. Ça se débloque à combien? Ah oui, 20 000. On va le mettre là. Et là, on va le mettre ici. Plutôt là, non? J'en sais rien en fait où tu peux le mettre. Je reviens rapidement sur la carte. Ah oui, là, j'ai quasiment rien mis. Bon, on va le mettre là. Ils vont moins râler, je pense. Maintenant, on a besoin de travailleurs. C'est bon. C'est parfait là. Comment ça, vous n'êtes pas encore satisfait, vous? Ah oui, parce que vous êtes maintenant des chômeurs, c'est vrai, j'avais oublié. Regardez comment ça coûte, ça te ruine. Bon, on a 7 chômeurs, là c'est parfait, j'ai bien réussi à faire tout ça. Oh le bordel, hey, c'est vraiment une ville ultra compacte. Body se fait Tokyo en live. Hein. Donc j'en étais à où? Attends, je vais regarder vite fait les services. Industrie lourde. Oh ça va, franchement, j'ai pas trop dépassé. Usine high-tech, d'accord, bah oui, parce que c'est vrai. Usine high-tech, body. Ah oui, mais non, mais t'es sérieux, toi, tu peux pas les débloquer, l'high-tech. Ils sont mignons quand même. Hein. Ça qui est chiant, c'est que là, tu vas tellement vite dans les trucs. Maintenant, on va voir si j'ai les bureaux à fond. Ouais, ça commence à baisser les bureaux. Hein. Comme ça, on aura un peu plus de travail pour les autres. Donc,
Les bureaux, où est-ce qu'ils sont? Je vais me faire plutôt un quartier d'affaires aussi ici. Après là, je garde un petit peu les trucs pour pour les élites, hein. Ils vont habiter là, hein, les élites. Les managers, je les mettrai vers ici, hein. Vers là, hein, ou un truc comme ça, je sais pas, on va voir. Non, j'exagère. Alors un bureau. Regarde comment il est grand celui-là. On va en mettre un petit peu plus. Maintenant qu'on a tout ça, on a les hôtels. Alors j'en ai débloqué ou pas du tout? Non, désolé, j'en ai pas débloqué. J'en ai juste un seul, mais bon, je crois que je l'avais déjà mis celui-là. Ouais, pourquoi pas. Tiens, tout le monde est satisfait, ça commence à être bien. Satisfaction générale. Mais moi, mon économie, elle va. Elle est plutôt normale, hein. Elle bouge pas vraiment. On n'a pas beaucoup d'électricité. Ok, je vais m'en occuper immédiatement. L'éolienne, c'est bien, mais c'est pas vraiment très puissant. C'est ça que je vous dis, il y a des choses comme ça qui vont pas être surpuissantes. Alors, je pense que ça coûte extrêmement cher dès que je vais poser ça. Oh, mon économie, elle est bien, regardez. Oh, c'est un petit peu redressé. Bon, on va prendre ça finalement. Vous voyez pourquoi? J'ai heureusement que j'ai bien aplati le terrain. C'est bon là, il n'y a pas besoin de plus. Ah, je suis désolé, j'ai tapé dans le micro. Ah, c'est pareil. Après, je peux contrôler, hein. Je peux limite descendre à zéro, hein, si j'ai envie, hein. Je mets juste un petit peu plus d'impôts, mais ça sert à rien. Voyez, je peux juste baisser ou augmenter les impôts, hein. Donc du coup, après, tout est vert. Je peux les mettre à 20. Et là, on passe directement dans le. Regardez, par exemple, je vous montre. Hein. On est à 15. Je vais le mettre, par exemple, à 30. Regardez, on est dans le rouge. Ils vont tous immigrer, mais je suis en positif. C'est pas intéressant après, parce que le problème, c'est qu'ils désertent tous. Hein. Tu peux vite perdre ta ville. Hein. Donc là, on est en jaune. Donc 3000, c'est bien. 4000, franchement, trafic saturé. Bah, tu m'étonnes qu'il est saturé, vu le bordel que j'ai foutu dans la ville. Alors, rapidement, observons. Bon, ça, j'aime pas trop. Faut le fermer, Poddy. Arrête. Oh là là, oh là là. Donc, la mégapole, elle est bien. Ici, on a un petit peu la banlieue. Et là, on commence à avoir des grands bâtiments. Alors, j'ai combien de chômeurs? Montre-moi. Statistiques. Emploi disponible. Oh, bah ouais, parfait. Ils vont adorer. Alors, travailleurs qualifiés pour que tout aille bien. Attends. Je vais juste enlever ça. Ah, ils vont me dire, mais pourquoi en fait, Bodhi, tu veux enlever impérativement ces bâtiments? Bah, en fait, je vais les remplacer par les plus grandes cases en fait. Vous voyez, c'est plus intéressant d'avoir ça que d'avoir des petits bâtiments. Densité moyenne, ok. Ça, c'est densité petite. Allez, on enlève tout ça. On va faire un peu augmenter plus nos villes. Mais les routes ne vont plus suivre après. C'est ça le problème, hein. Allez, comment ils s'installent rapidement, les petits malins. Densité moyenne, c'est fou quand même les petits quartiers comme ça en moyenne. Ah mais attends, je suis con moi aussi. Attendez, puisque c'est moi le gros con qui fait boucher le trafic, est-ce que je les mets du mauvais côté? Bon, c'est pas grave, on va équilibrer là. Ah oui, non mais moi je dépose complètement à côté. Tu sais, les mecs ils mettent tout ici, mais là il n'y a rien. On a le parking, ils sortent par ouais, ils sortent par là, ouais. Donc du coup, ouais, c'est plutôt sympa. Je vais enlever rapidement ici. On prend un petit effort. Ouais, mieux vaut le placer directement ici, hein. Ah, parfait. Donc tout est parfait. On a 25 emplois disponibles. Donc du coup ça va pousser comme des champignons là. 5 de l'autre côté au niveau des travailleurs. Donc travailleurs, où est-ce que vous êtes? Je veux pas m'embêter, je vais faire pareil ici.
Voilà. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Allez, on enlève tout ça. Pas besoin de s'embêter. Ça va pas être facile d'atteindre les 500 000 personnes. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment une ville ultra compacte. Hein. Mais après, elle va tellement être gourmande au niveau des ressources. Vous allez vous apercevoir, ça va être une énorme galère à bien tout gérer. Voilà, là c'est bien. Maintenant, on va mettre rapidement du bon côté de la route cette fois-ci. J'ai bien sélectionné les bonnes cases, hein, on sait jamais. Voilà, parfait. On sera bien. Voilà, là on aura une grande, comment ça s'appelle ça, plutôt une densité moyenne, ce qui est vraiment intéressant, on est en vert pour une fois, c'est marrant quand même. Hein. Oh, traitement de déchets, ça va devenir dans le rouge, l'eau. Maintenant on a combien là, deux personnes en général, non c'était pas là que je voulais remarquer, 17 emplois disponibles, encore. Eh bah ben, dis donc, ça nous en fait des emplois. Hein. Nous, on va faire ça. Je pense qu'à la fin, on n'aura même plus de banlieue. Voilà, parfait. Alors, les travailleurs qualifiés, on va bien les installer. Je vous dis, franchement, c'est un jeu où il faut tout le temps construire, casser, reconstruire, etc., etc. Là j'ai juste quasiment fait prospérer un petit peu plus. Satisfaction, santé faible. Ah. La santé, elle leur plaît pas. Ah ouais, faut dire qu'ils sont pas contents là. Hein. Ça vous va? Ça vous va, ça vous va? Ça me coûte cher quand même tout ça. Hein. Normalement ils sont plus contents là. Attendez, je vais voir. Ah oui, parce que c'est le seul bâtiment de santé que j'ai en fait. D'accord. Parce que j'avais complètement oublié que j'en ai pas mis d'autre. Là, on a un petit peu des décorations qu'on pourrait leur mettre en fait pour qu'ils respirent. Vous voyez, c'est ça que j'avais mis. Hein. Observez bien l'argent que ça fait. Hein. Vous allez mourir de rire. Vous êtes prêts? Regardez bien. Hein. Comment ça enlève. Hein. Alors vous comprenez pourquoi je me suis mis énormément d'argent? C'est pas pour rien. Hein. C'est que ça enlève. Ça te dépouille. Hein. Donc je fais ça. Merde. Oups. Ce qui est con dans ce jeu-là, c'est que tu peux plus faire autour. Alors la route, vite, 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 la route. Vous avez vu? Parce que je peux vite me faire avoir. Hein. Oh, c'est quoi tout ça? Ils arrivent, t'inquiète pas, les travailleurs arrivent, 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 ils arrivent. Ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. C'est cool. Donc, ils sont où les petits rigolos? Ils sont là. Ouais, d'accord. Là, c'est bon, la santé, elle est bien. L'emploi est bien. Il n'y a que eux qui sont en chiant maintenant. Oh. Tu veux des magasins? Je vais t'en mettre plein dans la rue, tu vas voir. Attendez. Il y a juste un truc qui est chiant, c'est dès que tu commences à avoir beaucoup de maisons, ils sont en train de péter un plomb, ouais, au niveau des magasins. Je vais les mettre là, comme ça va aller plus vite, quoi. Voilà, c'est équilibré, je pense. Les magasins sont là. Regardez, ça y est, ça remonte la satisfaction. C'est nickel. Ils sont à combien? 80%, 75%. C'est cool. Donc on a quoi? Besoin de travailleurs, ce bâtiment. Oui, 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 oui. On a quoi, là, d'intéressant? On a les usines. Elles tournaient bien. C'est bien, ça. Coût de construction. Tiens, on va juste expérimenter un truc. C'est juste que ça coûte, hein. Ça coûte une bonne fois pour toutes, c'est tout. Ok.
On va faire vite fait quelques trucs modernes. Hein. Alors on fait un petit effort body. Ben voilà. Ouais, faudra pas que j'oublie hein, de pas les démolir ceux-là. Voilà. Voilà, c'est moderne, c'est bien, et en plus ça m'a fait carrément baisser. Oh lolo, comment je suis heureux là. C'est cool ça. Donc finalement, en fait, dès que tu modernises, c'est beaucoup plus sympa en fait. Ok. Ça t'empêche. Attends, on va juste voir un truc. Oh lolo, oh lolo, fais pas de bêtises. Non, 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 c'est pas comme ça. Voilà. Je pense que là c'est bien. Donc là c'est sûr et certain que mon économie elle va un peu mal. Parce que le temps qu'il replace des joueurs et ça va bien se passer. Alors franchement, on est bien là. Hein. La petite économie. Les villes elles vont beaucoup mieux ou pas maintenant? On va observer un peu du ciel comme ça. Ça se développe, je trouve que franchement, petit à petit, on commence à avoir un petit peu bah, des choses à faire encore. Donc 13 000, on se rapproche des 20 000. Hein. Donc j'aurai 8 personnes encore que je pourrais faire travailler. Là, ils sont satisfaits, en général. Ils mangent bien. Le trafic leur plaît pas, mais on construira des métros un peu plus tard. Franchement. Vous avez vu, on a redressé un peu l'économie. Bon, par contre, les usines ne sont pas contentes. C'est ceux-là, hein, parce qu'ils viennent d'emménager. Il manque de personnel, c'est pour ça. Donc, dès qu'ils auront du personnel, ça se passera plutôt bien. Ouais, donc voilà, je pense qu'il y a de quoi faire, les amis. Hein. Donc, le mieux, c'est qu'on se retrouve pour la suite. Et oui, ça passe vite le temps. À bientôt, prenez soin de vous. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.